Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Voilà quelque chose pour repousser la ruche. Nous ne pouvons pas laisser Destiny 2 extension 2. La ruche a activé un champ de suppression. Où est-elle? Elle est là. Hop là, elle est morte. Wouh! Avant de faire cette fichue mission, hop, on va essayer d'aller se faire ce... Ah, je suis juste... Non, c'est bon, ça touche. De nombreux ennemis ont été détectés. Rasputin active la Valkyrie. Rasputin, je vais rigoler à chaque fois. Ok, bon, bah, on est déjà mort pour le... Pour le temps imparti. Pour péter toutes les... Parce que si, on a découvert, enfin en tout cas j'ai réussi à découvrir comment réussir cet événement en événement épique. C'est-à-dire qu'il faut réussir à péter toutes les prêtresses. Allez. Le plus rapidement possible, et chaque fois qu'on bute deux prêtresses en fait, tout simplement, on déclenche l'ouverture, voyez. Des prêtresses. D'une de ces vigies. Voilà. Avec un peu de chance, on va avoir encore une prêtresse. Un duo de prêtresses qui va pop. Et... Il manque plus qu'à tuer la dernière. La ruche a activé un champ de suppression. Voilà. Et donc la dernière vigie s'ouvre. Non? Des 4 prêtresses? Alors là, excusez-moi, je suis un peu surpris. Voilà, il s'ouvre pas de la même manière que l'autre. Ça risque d'être short. Normalement, c'est 2 prêtresses, peut-être 4 maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ah, ils l'ont fini trop vite. Ils sont restés trop longtemps dedans. Ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir toutes les prêtresses. Dommage. Bon, bah voilà, c'est à cause des personnes qui, comme d'habitude, ne connaissent pas l'événement. Ils le font sans trop réfléchir. Mais bon, les personnes qui ne réfléchissent pas, on en connaît beaucoup, chers amis. Ouais. Qui suis-je dans quelle étagère? C'est ici. Suite. Et un essaim de la ruche en colère. Ça a l'air amusant. Allons mettre de l'huile sur le feu. T'as enchaîné les deux? Assez rapide dans ce cas, je dis pas non, hein, mais... Protocole d'intensification. Ah oui, c'est les machins qui sont... Ils font extrêmement mal. Apparemment, c'est bien ça. J'ai pas encore trop le niveau pour ce genre de truc, je pense, mais bon. On va essayer de se caler sur des zones sympas. Et de péter la gueule à tous ces zombies. Ouille, 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 ouille. D'accord, faut suivre le groupe ou... Aïe, bon bah tant pis. Ah, faut peut-être suivre. D'accord, il y a des différents trucs, ok. Faut le garder. Ok. D'accord, faut récupérer les points. Qu'ils arrivent à se regrouper tous les ennemis là. Plutôt efficace le coup du lance-roquette, hein, mais on sait que c'est pas infini. Ah, un peu de gaspillage. Oh, ce vol!
Aïe, ouais, celle-là, elle a pas pardonné. Est-ce que... Oui. On a un monsieur qui fait son taf, mais j'ai failli mourir aussi sec. Pourquoi j'ai dû vianer dans la tête, maintenant? Je sais pas si j'aurais pu en tuer plus de toute manière. Aïe. Ok, on l'a eu. Un ogre, de mieux en mieux. Ok, hashtag ta croquette, je l'ai pas senti du tout. Est-ce qu'un monsieur va venir? Oui, un monsieur est venu. C'est incroyable que cela puisse paraître. Je viens t'aider. Appelez. Ok. T'as aidé notre copain. Ce connard peut aller se faire foutre. J'ai essayé d'en avoir un maximum dans le groupe. Lui aussi, de toute manière, il en a rien à foutre. On a beau lui tirer dessus comme des malades. Une fois qu'il aura arrêté de te tirer dessus, je vais venir sur toi. On l'a pas réussi. On n'a pas réussi à le buter. On le paye, j'ai l'impression. Il va y avoir au-dessus une plaque. Avec. Ah non, il est encore là. Ok, c'était tout. Bon bah... ouais, il a un peu loupé ce selfie. Mais bon, c'est pas grave. La suite. Ok, trouvez le lieu où Xol se nourrit. Dans le lieu où ce ver divin se nourrit, nous pourrons utiliser l'éclat du voyageur pour attirer le ver divin. J'ai fait quelques analyses. J'ai trouvé une grotte qui croise un des tunnels de Xol. Écoutez, Zavala. J'ai étudié les rapports. Rasputin a failli ne pas pouvoir arrêter Xol la première Rasputin. Fois. Notre mission reste la même. Nous vaincrons Xol et nous n'avons pas besoin d'un esprit tutélaire pour cela. Car qui sait ce qu'il pourrait faire d'autre? Gardien, je détecte des interférences. Je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Je les entends moi aussi. Une minute, je vais analyser le signal et essayer de voir de quoi il s'agit. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais ça me plaît pas. Bon, le reste pour l'instant est assez... simple. Bonjour! Ouais, t'avoir bien entamé toi pourtant. Ou alors t'es une deuxième. T'es pas la même. À vous, Razovski. Oublie les détails. Hop. Hop. On est bon. Ta suite. Les interférences s'intensifient, mais je commence à détecter un modèle récurrent. Anna, vous entendez ça? Il me faudra plus de données pour être sûr. Mais il pourrait bien s'agir d'un message codé. Rassurant. Un bouffe. Ces cristaux sont remplis d'énergie. Ils doivent servir à amasser de l'énergie pour nourrir Xol. Oh. Merci, ça tombe dur là. Les esclaves, les gardes, hein. Chevalier Ugulgar. Ouais, ouais, vas-y. Voilà, ça t'apprendra. Une bouboule. L'énergie de cet artefact semble instable. Essayez de le lancer vers le cristal. D'accord. C'est simple jusque-là, hein. C'est quand même assez simpliste. On dirait que la ruche n'a pas chômé par ici.
Continuez à avancer. Selon les analyses, il y a une large salle à l'endroit où les tunnels se croisent. C'est sûrement là que Xol se nourrit. Oh. Ils sont nombreux quand ils courent, dis donc. Ils sont rapides. Pardon. Pas nombreux aussi pour le coup là, c'était mais. Donc pour des mecs surgelés, c'est plutôt rapide. Si vous me permettre. Vous être plutôt rapide. Je sais pas si vous me comprenez donc. Vous avez vu la taille de ces tunnels? Xol doit être énorme. Oh putain. Ça signifie que Xol est plus puissant qu'on le pensait. Oh. Raison de plus pour l'éliminer maintenant. Et bien sûr. Les gens en train de douter sévèrement là. Hop, vous venez d'où vous? Voilà, merci d'être venu, au revoir. Fireball! Oh. Et... Tiens, regarde. C'est cadeau. Oh la vache. Là il l'a bouffé par contre. Simuna. Je ne te laisserai pas. Restez comme ça. Bon bah apparemment elle l'a pas touché celle-là. Aucune munition puissante. Mais merde. Heureusement je suis là pour pallier à ce problème. Je suis moi-même une munition puissante. Oulala. Non, ah, j'ai cru plus près bizarrement, ça devait être la lunette. L'effet rétro. Tiens, bouffe celle-là et hop t'es mort. Merci d'être venu. Au revoir. Oh oui de oui. Merci. Oh ça m'a pas chargé deux grenades. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a encore des choses pour avoir d'autres grenades, chers amis, ce qui est ultra pété. Non. Qui est ultra pété. Pourquoi tu t'enfuis? Quand tu es dans ses bras, tout en fou. Ah, parce que t'étais sur le point de te faire bouffer. D'accord. Au moins je sais que le verre il passe pas par le... ...dans une langue archaïque au sujet d'un prêtre, de Chris, considéré comme un hérétique. Qu'est-ce que la ruche pourrait bien considérer comme hérétique? Excellente question. Concernant la résurrection. Oh oh. Bah dis donc. Ah là, t'es mouru. Merci pour les munitions de lance-croquettes. Valait bien le coup que tu meurs. Un dieu sacré. Bon, bah, on est bon pour recommencer avec moins de munitions, génial. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Ok. Hé, hey, planque-toi. Ok, on a eu les deux.
C'est bon. Ok, ça en fait du monde sur le caillou. Peut-être en faire un avantage. Et merde, il n'y en avait qu'une. Apparemment, elle a fait des dégâts. Et celle-là aussi, comme on dit. Wouh ! J'avais pensé que tu serais si simple, j'aurais eu moins peur de toi. Un gros burst de dégâts, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Ok, cool. La suite. Bah, t'auras pas ton offrande, hein, mot du gland. Oui, il est ouvert. Ah bon? J'ai décodé le motif des interférences. En fait, vous alliez faire rouler l'ogre? R, Yul, Ur. Ce sont des noms gardiens. Des noms anciens et puissants. C'est plus grave que... Ok. Anna. Bien rassurant, tout ça. Ça pue. Si je peux envoyer des choses, hein. Et gagner un level au passage. Hop, là, ça c'est fait. Merde! La porte des ténèbres! Ce n'est pas Xol! Les gangrors vont en sortir! Bonjour madame! Monsieur? Truc? J'arrive pas à voir si c'est marqué elle ou lui ou. Héros, bah on saura pas. Oui, t'es pas là pour rigoler, quoi. Là, tu l'as senti, par contre, hein, madame. Ok. Peut-être que si, finalement, peut-être que t'es là pour rigoler. Merci pour les greux. Je ne peux que les apprécier. Hop. Tu veux bien m'en redonner une? Ah non, il change de phase. Ok, il détruit des cailloux. Il n'est pas du tout bon signe, hein, ça veut dire qu'il s'énerve. Ok, il va faire pop des ennemis. Balèze. Bonjour. Bien ça, normalement il sait faire pop hein. Ils font le tour. Les sacs. Il est là. Ok, j'ai la relique, je tire et boum. Il fait mal, il fait très très mal. Je sais pas s'il compte rester là-bas, mais t'esquive la roquette. Ok, j'ai vu de l'immuniser encore, ouais. D'accord. On va enchaîner ce principe. Why not? Why not? Why not? Allez, fais péter tes ennemis. J'arrive. Bien aimé à voir. Et
Tant qu'il fait pas pop de commande explosif, disons. Ok, on s'en sort. Et de deux. J'avais su, j'aurais gardé mon truc. On s'en sort. Il est venu dans la mêlée. Tout à l'heure, il était pas venu. Voilà qui m'emmerde. Allez. Ok, de deux. Il est immunisé de nouveau. Au cas où, j'ai un croquette. Et c'est son dernier caillou. Hop. Oula. Une prêtresse. Logique. Si les soldats... Ah merde, j'allais dire si les soldats ça marche pas. Il allait filer son truc à une prêtresse, mais non. Apparemment, c'était pas ça qui était prévu. Si je... Putain, il est là-bas. Par contre, coucou, je suis là. Tu me permettre. Même que tu t'intéresses à moi. Ah, il est là-bas. Allez, hop les. Allez, bouffe! T'es mort! On l'a eu! Non, t'aurais pu lâcher autre chose qu'un. C'est là que nous devons positionner l'éclat. Faites sortir Xol! Mais genre, ça, c'était pas un combat de boss suffisant? Ok. Bon, bah, c'est parti. Vas-y, bonhomme. Les tourons, vous avez vu? Vive les niveaux d'expérience. Je suis par terre. Je suis à genoux. Je ne tiens plus. Je sais pas où suis-je censé regarder, mais... Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Mais non. Je suis avec mon spectre. Je vois plus sa tête. Je pense qu'il va faire ça, qu'il va arriver de par là. Encore que... Ah bah non, il m'a bouffé. Gardien ? Gardien ? Où êtes-vous ? Il m'a bouffé, c'est ça, je suis dans son estomac. On va refaire Pinocchio. Dans la baleine. Puis là. Oh, la lumière soit louée. Xol se dirige droit vers le centre Clovis Bray et Rasputin. Si Rasputin meurt, le javelot disparaît avec lui. Et Xol aura gagné. Très bien. Éliminer Xol est plus important que mes doutes concernant l'esprit tutélaire. Ensemble, nous y arriverons. Qu'en pensez-vous, gardien ? On pense que c'est pas trop tôt. En fait, vous attendiez à ce que je fasse quoi? Moi, c'est ça qui me...
Je viens appâter un dieu, un ver de terre, gigantesque, capable d'absorber ma lumière. Qui a un petit peu la faire disparaître. Et je dis amen. Je dis, tentons notre chance après tout, pourquoi pas, c'est ça, je comprends pas. Enfin bon, j'imagine que c'est classique. Par contre, ça fait genre, là c'est la troisième mission. Il y a que 4, 5, peut-être même 6 missions, ça fait pas beaucoup, hein. Je veux dire, là j'en ai fait 3 en un après-midi, et encore, je suis gentil, il est encore 16h. Ok, le retour du grand caillou. Le grand caillou. Alors du coup, est-ce qu'on en est déjà au bonhomme ou pas? Que l'ogre est là, l'ogre est là. On l'aura pas. On l'aura pas. Dommage. Le pire étant que j'ai l'impression que ça ne nous donne rien. Pardon, bonhomme. Enfin bon, c'est très étrange. Là qui viennent des engrammes. Pas doux. On va bien être comme eux. Enfin bon. Bon bah du coup, écoutez, on se reverra dans le prochain épisode les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. A plus. Quand même beau, hein. Mars, la planète blanche, littéralement. Il y avait de l'eau.